Bonjour, allez, pour fêter les 1000 abonnés, je vais faire 1000 km. C'est parti pour une boucle de 100 km. Départ de Pornichet. Le jour se lève, la plage est dans l'ombre. Le port de Pornichet. Sur la route vers Saint-Nazaire, n'hésitez pas à faire des petits crochets pour admirer les criques secrètes. Monsieur, vous avez du feu? Ils sont en train de reniveler la plage. La belle ville de Saint-Nazaire. Avec là-bas le pont. Je vous rappelle que c'est le pont le plus long de France. Et puis si on regarde bien, on peut peut-être voir Noirmoutier par là-bas. Nous entrons dans le marais de Brière, au lieu de passage pour les oiseaux migrateurs. On entend plein d'oiseaux. On va se faire une promenade en barque. Bienvenue dans le village de Chaumière de Quérinette. Le parc régional de Brière concentre près de 60% du patrimoine des chaumières en France. Plus de 3000 maisons. Ai-je mérité une pause? Oui. Les pêcheurs à la coque. Pointe de Merkel à Mesquer. À la pêche au moule moule moule. Les enfants, nous entrons dans Pirieux-sur-Mer, petite cité de caractère, où tout est fermé en temps de pandémie mondiale. Tourne-toi. Pourquoi, il y a quoi derrière? Ah, la plage Care Elisabeth, où je me suis baigné maintes et maintes fois depuis ma plus tendre enfance. Le port de la Turballe. 9e port de pêche en France. Les meilleures prises sont l'anchois et la sardine. Et oui, on apprend tout en faisant du vélo. Alors ça, c'est une mouette ou un goéland? Messieurs, dames, voici les marais salants de Guérande. Dans le bassin salicole de la presqu'île guérandaise. Salicole, ça veut pas dire que c'est sale, ça veut dire qu'il y a du sel. Oh là là, j'apprends des mots. Le point culminant est à 6 mètres. Bon, il se débrouille pas mieux que moi. Prononcé bas sur mer. Moi, je vais faire un petit détour par le Croisic. Ça me rajoute une quinzaine de bornes au moins. On n'est pas assez près. Et juste en face, c'est la Turballe. Pimbron pour ceux qui connaissent. Un trésor. C'est le trésor du Titanic. Les crabes. Bon, attention parce que maintenant c'est la côte sauvage. Ça va être super joli. Là, juste devant, c'est le rocher de l'ours. Oh là là, ça commence déjà à être super beau. Le Pouliguen. Il y a des surfeurs, mec. Plouf! D'un côté, le Pouliguen, son port. De l'autre côté, la Baule. Et tout au fond, Pornichet. Ça drague. Bon, ça c'est mon hôtel. Certains disent que c'est la plus belle plage d'Europe. Appelée la baie du Pouliguen. Il y a 9 km de sable fin. Bim, 119 km. Avec une seule vitesse, bien sûr.